Chers parents, chers élèves, tout d'abord, je vous espère tous en bonne santé. Nous voilà depuis 2 semaines en confinement et je voudrais saluer tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Nos familles qui travaillent dans le système de santé en premier lieu, mais aussi tous ceux qui participent à notre vie quotidienne d'une façon ou d'une autre. C'est le moment d'être très reconnaissant et unis. Nous, notre communauté, sommes unis, car nous sommes une équipe, plus que jamais avec vous et auprès de vous au jour le jour. Mais aussi unis, car nous avons la chance de participer à ce grand réseau qu'est la mission laïque. Ce réseau solidaire, humaniste, qui nous permet d'échanger avec Paris, mais avec les 4 coins du monde. Ce réseau constitue notre force. Il nous aide à grandir et à faire face. Face à cette crise sans précédent, nous nous sommes engagés. Nous nous sommes mobilisés à 200% pour maintenir ce lien avec vous tous, pour être présents à vos côtés et pour assurer la continuité pédagogique. Évidemment, nous sommes connectés, organisant des réunions d'équipe en visio, des classes online et même des classes personnalisées pour ne rien bousculer. Pronote nous permet de diffuser des contenus, les plans de travail, mais aussi des liens vers des capsules, vidéos, audio, bref, de varier les supports. Bientôt, nous ouvrirons Classroom pour les plus grands. Cela facilitera le travail et surtout l'organisation. Les classes online quotidiennes vous aident, chers élèves, à travailler, mais aussi à échanger et à passer de jolis moments ensemble. Je salue ici le grand travail, la constance, l'application, l'implication de toute l'équipe enseignante. Quel que soit le temps resté chez soi, nous réussirons ensemble. Le rythme sera maintenu, les professeurs continuent à se former pour améliorer cette école à la maison. Nous relevons le défi, apprenons de ces expériences, maintenons et renforçons notre excellence pédagogique. Alors merci. Grâce à votre collaboration, votre compréhension et votre confiance, nous sortirons ensemble renforcés et convaincus de l'efficacité de notre beau projet. Je profite de m'exprimer en français pour m'adresser plus particulièrement à mes élèves et pour vous dire à quel point je suis fière de vous et quelle joie j'ai d'entendre vos professeurs me dire qu'ils ont tant de plaisir à vous retrouver en visio chaque jour et à travailler avec vous. Vous nous manquez et j'en suis certaine, nous vous manquons aussi. Vous aussi, vous êtes très courageux. C'est difficile de travailler loin des autres. Et vous le faites quotidiennement. Alors nous sommes près de vous, nous sommes là pour vous. Quelques petits conseils, sinon vous ne me reconnaîtriez pas. Soyez vigilants à ne pas rester devant les écrans lorsque vous n'en avez plus besoin. N'hésitez pas à nous questionner, à nous demander ce dont vous avez besoin. N'oubliez pas de garder le rythme et de faire les exercices physiques que Lolaise vous poste sur le blog. Merci. Prenez bien soin de vous, de tout cœur.